Yo bande de Roger, ici le Matt, on se retrouve juste après l'épisode 2, comme l'épisode 2 avec l'épisode 1, c'est génial. Aujourd'hui nous sommes contre les Monarques en semaine 8, ce match sera possiblement diffusé, je fais un peu cette intro parce que je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai peut-être coupé les épisodes, donc je vais vous faire parvenir l'épisode 1, l'épisode 2 dans la journée et la journée d'après qui suit. Pour avoir une réponse pour cet épisode 3 qui sera un peu plus après. Voilà, donc aujourd'hui, on s'était fixé un petit objectif un peu à l'arrache, faire un match en marche arrière. D'abord, on va se chauffer sur un premier, histoire de reprendre un peu la main, même si ça fait 2 minutes que j'ai arrêté de jouer. Et en plus, on joue quand même contre quasiment les meilleurs, donc peut-être qu'aujourd'hui, et sur ce match, ce sera de la tempo. Voilà, donc c'est un stat qui est assez magnifique en noir et jaune, comme ça, j'aime beaucoup. C'est très... Ok. Donc... Ok, donc c'est des mecs qui sont plutôt... on appelle ça une arbalète hein, dans le milieu, pas du tout. Je vais me contenter de faire des petites touches. Ou possiblement des buts. Là j'y croyais, je vous avouerai. Mais il a bien sorti. Et là je suis dans la cacade. Donc on va observer ce qu'ils font. Ok, ça c'est un arrêt des dieux. Hein, de type dieu. Pour tout ce qui est dieu, bordel de merde, là c'est moi qui la rentre. Là c'est pour tout ce qui est nul apparemment. J'ai même pas voulu regarder le but tellement je suis triste. Ok, ils ont mis la musique dans le stade, c'est la folie. Putain, ok, coup de baby foot. Coup de baby foot, baby. Baby foot nul, nul, nul. Hésitation, hésitation. Arrêt nul, arrêt nul. Ok, nickel. Ah, est-ce qu'elle sort? Oui, oui, bien joué ça, c'est bien joué. C'est bien joué. On perd 1-0, c'est pas grave. On va reprendre le match en main. Dès que j'aurai fini de faire de la merde. Parce que j'ai la... Allez, tiens, tape le ballon, toi. Pas du tout. Ok, mais toi, tu le tapes, par contre. Mec, plutôt osé. Ok, ça, par contre, c'est soit une bonne passe, soit un bon dégagement. Dans ce cas-là, c'était un dégagement moyen, donc une passe moyenne. Donc, je n'ai rien à dire et je parle quand même. Est-ce que c'est utile? Pas du tout. Bon. Alors... Je sais pas si pour vous c'est très chiant que je meuble comme ça, mais moi je me dis qu'une vidéo avec rien dedans, bah c'est comme un petit pain au chocolat avec rien dedans. Bah c'est pas bon. Enfin si c'est bon, mais bon tu te dis que t'aurais dû avoir un peu plus de chocolat quoi, donc voilà. Bon bref, c'est quoi ces métaphores à la con là? Ok, alors on va peut-être le brin. Brin des voisins. Wolfman, t'as fait de la merde. T'es viré. De toute façon, tu ne sers à rien, hein. Tu as déjà marqué 12 buts dans ton camp, hein, je te rappelle. Mec, qui parle avec des bots, quoi, sans déconner. Ah oui, attendez, faut imaginer des voix pour le Wolfman. Le Wolfman, on va... J'imagine bien qu'une voix de Black, je sais pas pourquoi. Pour une raison exidoire. Oui, encore un mot qui n'existe pas, hein, bien évidemment. Hein, c'est la maison qui paye. Oh. Who the fuck are you? Oh, c'était une belle passe. Oui, une belle passe contre leur camp et oh le mat a marqué sur un but indirect de ses ennemis. C'est assez magnifique, comme pensez-vous Jean-Pierre? Oh, aujourd'hui on a un petit peu un déni de puissance, hein, vous voyez qu'il se fait des passes tout seul, hein, il a un petit peu la flemme de jouer avec ses coéquipiers. Malgré la victoire des précédentes saisons de l'équipe des Monarques, hein, on décèle chez lui une schizophrénie assez palpable. Qui se décèle par deux et qui marque contre son camp. Ah, c'est vraiment très nul, mais ceci ne nous regarde pas. Voilà. Ok, tout va bien. Ils ne m'ont pas repéré, les commentateurs sont en train de craquer, c'est le moment de marquer. Allez. Où est le ballon? Ok. Oh. Non, 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 non. Ok. Non. Oh, je crois qu'il nous a fait un petit misplay encore une fois. Il a tiré dans le pauvre Wolfman qui mettait des buts et malheureusement, il l'aurait marqué. C'était plutôt nul, hein, pour tout ce qui est nul. Oh oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Et là, c'était encore une putain de mauvaise... mauvaise interprétation du ballon. Ok. Ouh, calmage. Il nous reste 2 minutes pour marquer un but. En prenant par considération que l'on joue contre des débiles. Des débiles. Oh oui, on dirait que la tendance est inversée, hein, car
Apparemment, la mode est à se marquer dans son propre camp en ce moment. Les bots ont apparemment craqué et auraient eu un accès de débilité, hein, de type débile, pour tout ce qui est débile. Donc là, c'est très nul. Il n'y a pas beaucoup de spectacle, mais c'est efficace pour l'équipe des Rogers qui ont marqué 2 buts en 20 secondes. C'est assez exutoire. Le ballon qui prend une direction tout à fait rocambolante, hein, ou comme rocambolesque, mais avec des pentes. C'est pareil, c'est tout pareil, tout nickel. Donc là on intervient plutôt sur quelque chose de salé, hein, et plutôt d'exotique même. Ah, là par contre c'est un peu plus nordique, on sent la neige, la fraîcheur des coquelicots à la rosée du matin. Bien évidemment, hein, les coquelicots, hein, toujours les coquelicots Taras. Pardon, pardonnez-moi, hein, c'est juste que je suis en plein commentary du commentaire. Donc là, par exemple, ça ne me plaît pas du tout, en partant de la fin et du début. Du coup, je pense que c'est une bonne idée de marquer. Et voilà, comme ça, on enterre à 5-3 contre les Monarques. Voilà, là, je suis sur une voie moitié commentary, moitié moi, c'est-à-dire que j'ai fusionné avec le commentateur numéro 1, qui n'a pas trop d'accent, mais une voix reconnaissable. Donc, je vais revenir tout de suite... à moi-même, hein, en partant de la gauche, parce que Sinistra MDR c'est la gauche en latin, voilà. Et petit but en marche arrière, ça ne peut pas faire de mal, hein. On dit que ça fait du mal, mais en fait pas du tout, voilà. Ok, bon, du coup on va pouvoir arrêter de faire de la merde. C'était rigolo de fusionner avec le commentateur, mais c'est fini. Oui, on marque dans le but, allez, direct. Non, vous y avez pas cru quand même. Ah si, vous y avez cru, bon d'accord. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Honnêtement, je suis foncé dans le ballon, je sais pas. Oh, on dirait qu'il a un peu craqué, parce que là, je pense que c'est pas efficace de taper dans son but, même pour railler ses ennemis. Surtout quand on perd une balle comme ceci, ça risque de se retourner contre lui. Ça fait beaucoup de rimes, mais c'est efficace, hein. C'est du bon. Ok. Ok, c'était un petit peu nul de sa part, il aurait pu agir au lieu de tergiverser avec ses compagnons d'armes. Et peut-être... Oh, peut-être une erreur. En tout cas, c'était un beau match, à vous les studios. Bon, bah Blacklight, bon, très bien. Commentateur un peu chelou, hein, sur cette partie, hein. D'ailleurs, tant que mon gameplay. Ok, là, je suis prêt à faire le match en marche arrière, so... Fuck, yeah. Contre les Skyhawks, on vérifie 1-7. Ça leur laisse une possibilité de victoire. Faut être honnête. Ok. Donc à part les engagements, je vais essayer de jouer le plus possible en marche arrière. En maîtrisant bien évidemment le frein à main. Ok. Ok. Donc ça va être assez compliqué dans un premier temps. Voilà. Okay, donc prenez la marche avant comme de la marche arrière. Le problème, le fait est que j'utilise beaucoup la marche arrière dans mon gameplay de base. Du coup, c'est vrai que j'ai essayé par contrario, je sais pas si ça se dit, mais ça ressemble à Rosario MDR. Par contrario, je vais essayer de ne pas trop utiliser la marche avant comme une marche arrière. Bon, là vous m'excuserez, voilà. Hop, donc là, c'est pas mal ça. C'est assez compliqué de gérer le gameplay à l'envers. Même si c'est possible. J'ai jamais fait, honnêtement, je me suis jamais essayé, mais bon, là, c'est un peu une première de type 1. Faut que j'arrête de dire ça, c'est très moche. Ok, aïe, désolé, c'est tout pour moi. Ah, oula, là, c'est le but pour eux. Ouais, c'est pas mal. Je pense que si on se prend 3 buts, allez, on va à 3 buts, je repasse en avant. Quoique non, on fait tout en arrière, même si on perd, c'est pas grave. Même si... Ouf, bon bah là c'est but gratos, non? Ah c'est bon. Même si on perd, parce que je me dis que ça nous fait pas beaucoup plus au classement, que de toute façon... Quoique on n'est pas en position de force, enfin, pour l'instant on est premier... Je sais pas si l'autre équipe a gagné, peut-être que c'était pas stratégique de faire à ce moment-là le match en arrière. Ok, donc celui-là sera record, donc je sais pas si les deux autres... Enfin, sera record. Ils sont tous record, mais...
Oh putain! Vas-y, taxi! Mon ami! Ok, bien joué! Last in ball ball quand même ça. Allez, on va prendre la suite. Apparemment, les gens sont à leur excitement. Cet accent est vraiment pourri, mais bon, on va donner de faire ça. Donc ça devrait aller. Amateur de catch, je ne suis pas au bon endroit. Je vous prie de revenir dans vos dortoirs. Ok. Et c'est vraiment pourri de la part de Tex. Qui a franchement pas géré du tout. Ça va être un match assez compliqué pour le petit Matt. Qui n'a pas compris comment marche sa voiture. Voilà, on a switché d'accent en direct. Je pense qu'il a un petit problème. Il est complètement barge. Mais peut-être qu'il va marquer un jour. On ne sait pas. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le commentateur. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement fou. Non, c'est toi qui es fou. Tu inventes des voix dans ta tête. Ah d'accord, je savais pas. Ok, c'est... Ok, bah alors c'était plutôt du cadeau, hein. Apparemment. Ouais, c'est pas mal, ça. Pas mal. Là, je peux pas faire l'engagement, pour être honnête. Donc, Oh. Ah, non! Ok. Je suis en marche avant. Ok, c'est pris de but, mais j'ai dit non. Non, j'ai dit... Avance! Recule! Avance! Recule! Ok. Je m'en fiche, j'irai droit devant la mort, parce que c'est vrai que c'était un peu un suicide collectif. Hein. Non, ça, par contre, c'est peut-être du bon. Allez! Allez! Non, il manquait rien! C'est vrai que j'utilise quand même plus la marche avant parce que... C'est vrai que là je me suis vraiment pas autorisé aucune marche avant pour l'instant. Il reste une minute 24. Peut-être qu'un but sauverait l'honneur. Bon alors peut-être... Non pas dans notre camp, si possible. Ok, ça peut être pas mal ça. Ça peut être mal interprété aussi. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut être mal interprété apparemment hein, d'après le juge. Qui n'aurait pas compris l'utilité de cette balle. Ok, là on va juste la sauver. Histoire de... Hop, marche arrière, pas de problème. Donc, ça aurait été un petit entraînement, malheureusement non fructueux hein, sur le coup. Allez, marque! Ok, c'est possible. Non, fils du chien des voisins! Ok, c'était l'action de Benzaï. Il aurait dû arrêter son cercle il y a bien longtemps. Maintenant, il est vraiment dans la merde. Il aurait pu marquer. Oh, le but de l'honneur, peut-être. C'est vraiment magnifique. Ok, là, je me suis un peu chié sur la fin de l'accent. Et alors, c'est pas le problème. Je l'attaque, peut-être. Apparemment, il va tenter de marquer sur les 15 secondes restantes. On ne sait jamais, a-t-il dit. Et il avait raison. La 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 la. Ok, ouais, j'avoue, j'ai pas resté jusqu'au bout, mais j'avais trop envie de continuer le match, et une occasion en or comme ça ne refuse pas. Putain, et là, ils avaient marqué, là, je serais très triste, là, je serais en train de me mordre les doigts. Mais c'est arrêt! C'est arrêt du dernier moment! Oh là là! Oh putain! Ok. Oh, le Skype, attendez, le Skype du dernier moment. Non! Mais, attendez, je laisse le Skype, ça fait une musique d'ambiance. Quel est le problème? Ok, attendez, je reviens quand même, parce que là c'est un peu triste. Attendez, 2 minutes, ok, je reviens. Ok, on se retrouve. Alors, pour la suite, les cyclones, jouer les matchs suivants, donc là, 7-2, donc une victoire inattendue parmi les inattentions, hein, ça veut rien dire, c'est pas très grave. Je sais plus combien de matchs on a fait aujourd'hui. On était à 5-2, donc on est à 6-2, donc 7-2, donc ça veut dire qu'on en a fait 2, hein, petit calcul mental. Et je vous avoue que là, je suis impatient de reprendre
la marche normale pour la simple et bonne raison que c'est vrai que c'est rigolo de minutes de jouer en marche arrière, mais c'est pas ce qu'il y a de plus jouissif, à part quand on marque bien évidemment, mais sinon c'est pas quelque chose de parfaitement sympathique. Oh putain, ça leur fait une magnifique passe. Ok, je vous avoue que là mon action était destinée à défoncer un mec qui l'aurait pris au vol. Là, c'était destiné à les faire chier, et là ils ont bien retourné la merde d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont mis de la merde dans une catapulte et ils l'ont renvoyé dans notre gueule. En fait, non, je l'ai mis dans une catapulte, sauf que je l'ai envoyé exactement dans leur cuillère de catapulte. Et du coup, bah voilà, hein. Ce qui est à toi est à moi, hein, comme disait un grand homme que je ne connais pas et qui est mort d'un accident de voiture, hein, apparemment, d'après les infos aux dernières nouvelles. Oh, c'est dommage. J'aurais bien fait le commentateur Benzaï, mais j'ai plus de voix. Du coup, on va passer sur du... Eh oui, mes amis, c'est possible. C'est un mec qui craque. Ok. Tout va bientôt se réaliser. Au moins, cette voix ne prend pas mal à la gorge. Je peux parler comme ça pendant un moment. Je ne dirai pas qui j'imite, car moi-même, je n'en suis pas sûr. Hein, de, pour tout ce qui est sûr. Mais là, pas trop. Voilà. Donc là, on a un petit peu... de maths, un petit peu de Tex et un petit peu de Wolfman, hein, de type homme-loup, pour tout ce qui est homme et loup. Ici, nous avons un misplay de la part de Olemat, hein, qui n'a pas appris à jouer, hein, il n'a pas révisé ses cours de gameplay. Et de ce fait, il a sorti le ballon miraculeusement, ce qui est assez excellent. Mais Wolfman qui a enterré sa merde, car il faut le dire, au plus profond des abysses, et Tex qui a pas mal repris le ballon. Cette voix va vous faire chier, je le sens, donc je vais l'arrêter dans très peu de temps. Voilà, du coup, attendez, commentateur à la con là, pas possible ça, faut pas fermer sa gueule avec sa voix de merde. Bon, voilà, ça c'est de la lucarne monsieur. Mais c'est la lucarne, ta gueule! Bon, voilà, Matt a marqué. Ça, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je vais faire du montage là-dessus, c'est vrai que... Ouh, salut à tous! J'entre sur le terrain, j'ai pas mis mes chaussettes, mais c'est pas grave! Les pneus neige font l'affaire! Et c'est le but! Oui! Ok, bien, bien. Là qu'il avait dit qu'il avait plus de voix, mais bon, il a de la voix quand même, ce con. On se demande ce qu'il fout, hein. Mec qui a gueulé dans son micro dès le mat comme ça, hein. Alors qu'il est même pas à midi, qu'il a passé son code de la route le matin même, et là il joue un jeu de bagnole, t'aura des ballons. Il y a aucun truc qui dit dans le, qui mentionne le ballon dans le code de la route, mais je vous assure que ce sera possible. Un jour viendra, où les voitures voleront telles des oiseaux. Alors ça c'est moi, il n'y a pas de commentateur. Fuck yeah! Il a encore marqué, c'est génial! Ok, il s'excite un petit peu trop là quand même. Je vais rien lui dire parce qu'il est très sympathique, mais... Attendez. Hop! Ok. On ne sait pas pourquoi il fait les bruits à ma place, hein, c'est un petit peu... Peut-être que c'est de la nature profonde, en fait. La question est telle que nous savons pas combien sont-ils... Ouh, ça a failli rentrer. Combien sont-ils? Combien sont-elles? Parce que pour l'instant, on va éviter des commentatrices. Surtout qu'il n'a aucun programme prédéfini, hein. Donc cette équipe des... Comment il s'appelle? Des cyclones, hein, que nous avons affronté en tout début, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est la revenge. Et c'est le but facile, easy going, comme au premier match. Donc peut-être qu'on peut se demander si l'IA reste avec les personnages. Donc ça veut dire que, par exemple, dans ce cas-ci, nous avions explosé 4-1 cette équipe. Et là, il est en train de se passer... la même chose possiblement, hein. Donc c'est une question, est-ce que les matchs sont prédéfinis, est-ce que notre prochain match du coup contre, je sais pas si on tombe contre les prochains qui seront ceux contre qui on a fait une défaite, mais peut-être que, allez, okay. Personne, non, ok, whatever you want. Oula. Et ça se sort facilement. Voilà, il suffit d'un peu de tact
et deux fils de couture, bien évidemment, hein, pour recoudre le ballon après sa punition divine. Oui, c'est possible. Oh fuck. On dirait que les commentateurs se sont calmés, c'est plutôt bon. 30 secondes avant la fin. Bon, ils ont encore le temps de faire de la merde. Mais. Oh oh. Ah. Ah. Ouais, c'est pas mal. Et on peut dire qu'ils ont failli chier dans la colle! Mais heureusement, tout s'est bien passé! Voilà, qu'est-ce que je disais? Il y avait encore le temps de dire la merde. Ok. Peut-être l'action finale? Non, c'est vraiment des putains de brêles! Bon, c'est pas grave! Oh putain, ils ont pris un but à la dernière seconde, c'est vraiment nul! Bon, bah voilà, c'est la fin, tant pis. Le petit 4-1, donc là, les mêmes scores hein, pour l'instant. Et allez, et les Rodgers qui gagnent. Alors là, inattendu, hein. Flux de données, non, merci. Je reste avec mes billets. Il me reste un match, en principe. Hein. Non, attendez, 8-2, on a fait 10 matchs. J'en ai dit 4 par vidéo. 11e semaine. Attendez, what? J'ai fait combien de matchs là? Match normal, match marche arrière, match celui-là. Ok, il nous en reste un. Pardon. Peut-être dernier match de la journée, je ne sais pas. Après, comme je vous l'ai dit, peut-être que Dark Moon vient cet après-midi. Hein, mais bon, pour vous, ce sera en 3 jours moins. 3 jours différents. Donc du coup, vous ne saurez pas du tout de quoi je parle. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Donc on se rappelle de cette équipe qui nous aura mis au tapis. Ah, et je sais pourquoi on est à 11 et pas... je sais pourquoi on est à 10 et pas à 11. C'est parce que le premier jour, on a fait... on a fait 3 matchs et non pas 4. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien. Ce serait bien que j'invite des gens pour continuer cette saison. Ça donne un peu de sens. Mais là pour les 3 premiers, j'espère que en tout cas tout vous plaira. C'est toujours vers ce quatrième épisode que je fais mes adieux en quelque sorte et mon récap. Même si je ne devrais pas parce que c'était une équipe pas très facile à gagner. Ok, malgré mon mispay de qualité. Hein. Mon instinct me fait faux bon de temps en temps. Et c'est très désagréable. Mais là, ça devrait aller. Ok. Et deuxième but. Pour l'instant, c'est irréprochable. Donc ça devrait aller. Hein. C'est pas mal, vous voyez. Bon, aujourd'hui, le petit match opposant les mammouths au Roger. Ça devrait bien se déplacer, se dépêcher. De l'action parmi l'action. Pour tout ce qui est action. Vous aurez remarqué que tous les commentateurs connaissent cette phrase. Et c'est un coup du chapeau pour Olemat qui a marqué 3 buts en moins de 1 minute et... Non, pardonnez-moi, 2 minutes et 6 secondes pour la précision la plus précise. Donc on est sur quelque chose d'assez croustillant, hein, pour tout ce qui est croustillant, vous l'aurez deviné. Et c'est encore un but, c'est un coup du sombrero, hein, nous ne l'appelons plus pour des raisons économiques, bien évidemment, hein, 4 buts en 2 minutes 3, et c'est encore un but, c'est 5-0, ce joueur est vraiment phénoménal, il ne sait pas ce qu'il fait, semble-t-il, mais il marque ce qui est bon, pour ses affaires. Voilà, donc là, on a une balle aérienne, hein, de type aérienne, hein, je n'arrive plus à parler, hein, du fait de mon élocution. Oh, et peut-être les mammouths qui reviennent. Pas du tout, hein, parce que 5-1, c'est un peu nul de leur part. On leur en voudra seulement après avoir digéré le chèque de caution. Voilà. Et pour la mamie qui s'est garée sur la place handicapée du parking, nous vous autorisons à vous faire enlever par la fourrière, si possible. Donc, dépêchez-vous si vous ne voulez pas mourir avec votre voiture. Hein. Il semblerait que vous soyez endormi dedans. Et si la fourrière ne suffit pas, nous irons à la déchetterie. Si vous vous retrouvez coincé dans l'incinérateur ou autre tel de ce genre, n'hésitez pas à composer le 911, hein,
police des États-Unis qui vous rappellera qu'il est dangereux de se parquer sur des places handicapées qui sont interdites au stationnement et à l'arrêt. Voilà. Après ces deux petites interventions, je propose de commencer le match, car je n'ai rien suivi, puisque cette petite mamie âgée de 6 ans, quand même, m'a pris tout mon temps. Voilà. Et vous aurez remarqué aussi que ma voix a changé, car je ne sais vraiment ce que je fais. Ok, bon, bah alors là, un long speech, le petit commentateur, mais disons, truc de folie, hein. Certains diront que je suis un paranoïa, mais pas du tout. Bon, c'est une impression, tout ceci n'est qu'une impression, de toute façon. Regardez, c'est un ballon avec des voitures qui volent. Elles ont un turbo, et elles peuvent faire un double saut. Où est le problème? Tout ceci est une impression. L'imprésionisme l'avait déjà compris, vu que c'était déjà des impressions. Mais là, là, c'est du grand art, là. Là, nous sommes dans une ère révolue, révolesque. C'est vraiment moi qui parle, ce n'est pas un commentateur, bien évidemment. Regardez, là, regarde, petit jeu. Eh, c'est simple, ce jeu. Qu'est-ce que vous... Où est-ce que vous allez chercher? Il n'y a pas besoin d'aller chercher, regardez. Ça rentre tout seul. Bon. Heureusement, j'ai perdu l'humanité sur ces vidéos. Enfin, ma dignité mentale, peut-être, je ne sais pas. Après, ma dignité de joueur, ayant marqué 6 buts, hein, pour faire simple, ça va. Honnêtement, là, j'aurais même pu en marquer un tout à l'heure si j'avais pas mis play. Alors, par contre, là, tu viens de me perdre ma dignité de gardien. Bon, c'est pas grave. C'est bon, tout va bien. Vas-y, allez. C'est bon, c'est nickel. Allez, vas-y, tu marques. Nickel, vas-y. Je suis un peu énervé, mais bon, ça va. Et là, retourner acrobatique. Non, c'est bon. Ok. Direct. Attention, il peut la recule. Ok. C'est n'importe quoi. Ok. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Direct, je suis en train de tenter. Et allez. Attendez. Ok. Il prend le ballon. Ah, le ballon qui va dans les cages. Ouh, c'est une jolie sortie de texte de fou.